y a un an et demi, on a créé l'unité d'implémentation des résultats des travaux de recherche et d'innovation au Togo. Et aujourd'hui, vous avez suivi 10 jours donc, de formation pour les chercheurs et les innovateurs donc, de notre pays. Le projet, c'est la valorisation des résultats de recherche pertinents. Alors, la Chambre de commerce a compris que le monde de la recherche et le monde économique sont diamétralement opposés. Donc, l'unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation a été créée pour prendre en compte toutes les innovations, toutes les inventions, les valoriser à travers la production de prototypes marchands, de prototypes pouvant être commercialisés sur le marché. Pendant 10 jours, nous avons été formés dans 3 modules essentiellement, à savoir le montage de projet, la gestion de projet et la propriété intellectuelle. Vous savez, une chose, c'est d'avoir une idée, mais l'autre chose, c'est d'avoir le savoir-faire qui vous permet de transformer cette idée en un projet. Et maintenant, lorsque vous avez projet, il faut savoir le rendre viable à travers la recherche de financement. La prochaine étape, c'est faire en sorte que chaque innovateur puisse créer vraiment en grandeur nature et mettre sur le marché son innovation. Nous repartons avec un sentiment d'un devoir accompli parce que nous repartons avec de nouvelles connaissances. Pas seulement des connaissances, mais du savoir, d'un savoir-faire solide. La quasi-totalité des participants peut vous dire à cœur ouvert qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons faire les choses autrement.